Je suis ce que Stravinsky appelle un illettré de la musique. C'est Mozart qui, à une époque de négation et de refus, m'apporte la sensation presque physique d'une âme vivante après de incapable de déchiffrer aucune partition. Je suis ce que Stravinsky appelle un illettré de la musique, incapable de déchiffrer. Ainsi, Mozart est entré dans ma vie en 1933. Je suis ce que Stravinsky appelle un illettré de la musique. C'est à la maladie que je dois cette révélation, à l'état d'angoisse où elle me tient. Maintenant qu'elles sont loin de moi, je me rappelle ces sombres journées où je montais chez un ami qui avait des disques. Je lui demandais Beethoven, Schumann, Chopin, Wagner, qui protestait doucement. Non, Mozart. Non, Mozart. Non, Mozart. Nous allons écouter la première partie de la marche, mesure 1 à 20. Et vous allez voir, c'est assez militaire, mais ce n'est pas non plus un militaire, c'est pas des vrais militaires. Ce sont des militaires de jouets. Ça fait comme une bonne chose. Mes parents sont pas musiciens du tout, ils sont postiers tous les deux et ils adorent la musique classique. Et depuis que j'ai 4 ans, ils nous ont amenés à l'opéra parce que j'habitais dans une ville où il y avait un opéra. Moi j'ai eu la chance de pouvoir en avoir, mais sinon on utilise du mammouth. C'est pas une blague parce qu'en Russie, il y a beaucoup de défense de mammouth. Puis on l'a passé en métal parce que pour le mec ça faisait plus de son. Et quoi, la flûte, c'est un des instruments les plus doux de l'orchestre. C'est une des moins sonores, sauf quand elle part dans les aigus. Ça dans les graves, surtout à côté de la voix. La copine a plus de puissance que moi. Mais contrairement aussi à la flûte moderne, et bien j'ai qu'une clé. La flûte moderne, on a tout un paquet. Exactement, parce que je vais terminer. Voilà, sur la flûte traversière baroque, on appelle ça aussi le traversant. Avec une voix un peu plus grave. Et du coup, on fait des concerts ensemble.
à chanter beaucoup plus tard. J'ai commencé à l'âge de 24 ans. Je suis dans la maison de mon enfance, la glace ternie reflète mon visage de quand je suis seul. Je me souviens de cette moquerie de Cocteau sur la musique qui s'écoute la tête dans les mains. Je puis pleurer ou m'étendre les yeux fermés, faire le mort, me laisser porter sur la vague sonore. Et quand elle se retire, dans un intervalle entre deux mouvements, le silence même paraît vivant, la nuit elle-même retient son souffle. Qu'il ne faut pas confondre avec innocence. L'enfant Mozart est entré dans ma chambre de malade en étouffant ses pas, en retenant son souffle. Il se tenait à mon chevet. Je l'écoutais chanter et rire. Il riait, mais à travers les larmes. Ou plutôt, il pleurait à travers son rire. Car cet enfant tendre était un enfant Dieu, comme tous les enfants. Et comme eux tous, il reste notre juge. C'est lui, c'est Mozart, c'est l'enfant bien-aimé. La musique s'écoute la tête dans les mains parce qu'elle nous oblige à ne rien voir d'autre que ce qu'elle découvre en nous et qui est toujours le plus caché, le plus enfoui. Elle nous y emmène quelquefois par le dehors. C'est le tour que nous joue Mozart. Est un monde unique et irremplaçable. Mais tous, de Beethoven à Wagner, ils ont ce trait commun de nous ramener sans cesse à notre passion. Leur souffrance, leur amour, c'est notre amour et notre souffrance. Ils sont humains. Trop humains. Ils aident nos passions à jouir d'elles-mêmes. Et c'est pourquoi l'adolescence et la jeunesse les aident. Ils n'aiment pas Mozart. Évidemment, je me sens encore des choses à dire, mais est-ce que ce sentiment n'est pas une illusion dangereuse pour mes lecteurs? Est-ce que ce ne serait pas le moment de se taire?